rappelle l'efficacité de Lennard, 4 en 7. Alors c'est parti pour Galchenyuk. Lennard s'avance. Loin. Galchenyuk feinte. Une autre. C'est gore. Galchenyuk demande de se lancer, a demandé à Peter Boudaille, est-ce que c'est le même gardien que j'ai affronté à Ottawa? Peut-être que la réponse dit non. Et pour ce jeune gardien, Pierre, moi ce que j'aime, c'est la patience. Et si c'est donc d'après faire avec Galchenyuk, vous avez vu à quel point il était content. Avantage Montréal. Retour maintenant du capitaine des Sénateurs. Daniel Alfredson devant Carey Price. Alfredson, c'est le... Yes. Le Canadien garde cet avantage d'un but. C'est quand Fredson aime décocher les tirs des poignets rapidement. Il regarde entre les jambières et souvent le tir bat du côté du bouclier. Price le savait, facilement le repousse. David Dernier lui marque et parfait cette saison. Deux en deux. Rapide. Le voilà devant Lennard. Dernier fin. Tire du rebond, c'est bloqué par Lennard. Je ne sais pas s'il a vu une petite ouverture entre les jambières, mais elle n'y était plus lorsqu'il a tiré. Que ça ne vous rappelle pas un geste d'un autre petit joueur dans l'histoire du Canadien, Mats Näslund, adorait faire cette feinte cette fois-ci, Lennard, par exemple, a fermé l'ouverture entre les jambières. Joseph Silbermer, 3 en 5 cette saison. Tout un tir des poignets. Surveillons-le. Fin, tir, oh, il a vu, quel tir, oh, wow! Voilà, il est maintenant 4 en 6. Alors, les deux buts jusqu'ici ont été semblables. La feinte a été excellente. Vous avez vu le mouvement des épaules, hein? T'as six, hein? La rondelle, parce que Price, était tout de même, n'était pas sorti du filet. Je peux vous dire, il a frappé la partie supérieure. Alors, Max est là maintenant. C'est retour à la case départ. Lennard devant Lennard. On gagne.